Ça y est, l'été touche à sa fin, plus que quelques jours avant la rentrée scolaire et universitaire, et à Corte, depuis plusieurs semaines déjà, le Crous de Corse s'y prépare. Cette année, 400 logements ont été attribués aux boursiers. La remise des clés est possible depuis lundi pour des logements toujours très demandés à l'heure où l'inflation continue de frapper. Frédéric Danez, Enzo Giulian. C'est un grand jour pour Claudia. Accompagnée de sa mère et de sa jeune sœur, la future étudiante vient formaliser son inscription au Crous et récupérer les clés de sa chambre. Après un état des lieux, la jeune fille qui suivra des cours d'art se dit impatiente de s'installer. Je pense que c'est bien mieux que ce que j'imaginais. Vraiment, j'adore. Je pensais que ce serait un endroit très étroit, comme j'avais vu sur les photos, mais non, c'est grand. Et même si c'est un petit endroit, c'est plus spacieux que ce qu'on peut imaginer. Il y a beaucoup de choses pour ranger. C'est vraiment bien agencé, je trouve. Les meubles, ils sont bien disposés. Vraiment, je trouve que c'est très beau et j'ai hâte, en fait. J'ai vraiment hâte. 24. Oui. Claudia est boursière avec d'excellents résultats scolaires. Elle a décroché son bac avec mention très bien. Elle fait partie des personnes prioritaires pour occuper ses logements au loyer défiant toute concurrence. Aide de la CAF déduite, ses parents paieront 100 euros par mois. C'est en moyenne 3 fois moins cher que le prix du marché privé. Un soulagement pour la mère de l'étudiante. On a fait une première demande qui a été refusée, mais la deuxième semaine, on a renouvelé la demande et elle a été acceptée. Le logement est le principal poste de dépense avec une augmentation de 2,25% pour la rentrée universitaire à Corte. Selon une enquête de l'Union nationale des étudiants de France, c'est 483 euros de plus par an. Dans ce contexte, les habitations proposées par le Crous sont très convoitées. Plus de 2000 candidatures pour un parc de 400 logements. Nous sommes en réelle tension, donc il y a très peu de non-boursiers, à peu près 10%. Sur notre parc, alors que pour l'ensemble du réseau des œuvres, ça peut monter entre 30 et 40%. Il y a une forte attractivité sur un Crous qui a été rénové. Donc les boursiers sont revenus vers nous, et ce qui laisse très peu de place aux non-boursiers et aux étudiants internationaux, que nous nous efforçons quand même d'accueillir, mais dans la mesure des places disponibles. Le parc locatif du Crous de Corte va s'étoffer avec la construction de 108 nouvelles chambres. Livraison prévue à la rentrée de 2025.